Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le direct. Cette histoire, Mofoa Sori et Doumbouya, la famille, ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos esprits. Je vous dis aujourd'hui, le général, Doumbouya, il va partir. Mais cette histoire de Mofoa Sori là, vous devez faire beaucoup attention. Mofoa Sori que le CNRD est allé ramasser sa famille. Et vous avez tous écouté Mofoa Sori dire que si Doumbouya veut la solution pour ne pas qu'il y ait le coup d'État, qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre l'appelle, il faut que lui, il appelle. Je vous dis, tous ceux qui sont assis en train de dire l'affaire Mofoa Sori, Konan Doumbouya va tomber dans ça. Voilà, vous allez dormir. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Il y a bien un deal entre Mofoa Sori et Doumbouya. Mofoa Sori et les Doumbouya, là, ils ont échangé. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est la parole du général. Beaucoup seront surpris. Hein? On a dit qu'on a encore Srakata là. Mofoa Sori a donné Sraka à Doumbouya. C'est pourquoi il a dit, vous avez écouté, c'est pas pour rien il est sorti la dernière fois, il est sorti dans ces deux jours-là. C'est pour ne pas que les gens disent, ils ont échangé et il a parlé avec les gens du CNRB. C'est pourquoi ils ont laissé les radios. Sinon, le cerveau est là, analysez bien. Comment le CNRD et aller ramasser la famille de Mofoa Sori. Et aujourd'hui, les radios invitent Mofoa Sori. Il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Pour dire qu'il n'y a pas de Sraka. Mofoa Sori a déjà parlé avec les gens du CNRD. C'est pourquoi ils sont en train d'arrêter les gens. C'est pourquoi Sadiba a été démis de ses fonctions. Les journalistes, ils avaient parfaitement raison. Et Mofoa Sori a déjà gagné sa part. Ce n'est pas pour rien. La dernière fois, je vous avais dit, je ne crois pas à cette histoire de Mofoa Sori. Je vous avais dit ça la dernière fois. Comment quelqu'un qui dit Kosrakata là, et cette personne encore vient s'asseoir, il faut que je parle directement. Je ne veux pas parler à un ministre. Moi, je vais parler avec Doumbouya. Je vous ai dit, encore Mofoa Sori là, comment encore vialé. Mofoa Sori, problème, non. Wallahi bilay. 28 va passer, rien ne va se passer ici. Doumbouya va partir. Mais ce n'est pas cette histoire de 18, quoi. Le même Mofoa Sori là, il a fait croire aux gens de Doumbouya, il y a tel veut faire. C'est pourquoi aujourd'hui Doumbouya a enlevé Sadiba. Il n'y a rien. Il a été en contact avec les gens du CNRD pour juste arrêter les gens. Il y a de ces gens. Il ne faut même pas croire à leurs paroles. Wallahi bilay. Mais, Mofoa Sori, il y a qui est là. Il m'a qui est là. Il y a qui est là. Il est là, madame. Il y a des gens à la tolle. Voilà. Donc, tout ce que. Affaire de l'histoire de Mofoa Sori, hein, c'est du tape à l'œil. C'est de la récupération du CNRD maintenant pour arrêter les gens. Ils ont bel et bien contacté Mofoa Sori, les gens du CNRD. Vous avez bel et bien écouté Mofoa Sori. Il a bel et bien dit que si Doumbouya veut la solution de l'appeler, c'est pourquoi ils sont en train d'arrêter les militaires. Wallah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, rien ne va se passer. Il est sorti pour dire qu'on sera capable à des trucs pour que les gens continuent à y croire. Et le CNRD est en train de faire le truc pour dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare, on est en train d'arrêter. Moi, je vous avais dit, c'est des chercheurs de clients. Wallahi Billah, je vous avais dit, c'est des chercheurs de clients. Ce qui reste clair, Doumbouya va partir. Mais ça n'a rien à voir avec Mofoa Sori. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Plutôt, ils ont fait de la récupération et ils sont en train de neutraliser les gens dans le vide. Wallahi, ça, je vous le dis. Hein. J'ai eu des informations
mon Fassori et les gens de Doumbouya là, ils ont été en contact. Et ils ont dit certains non. C'est pourquoi les militaires là, ils sont en train d'enlever certains militaires. Wallahi billahi. Comment? C'est pourquoi moi je vous ai dit, encore quelqu'un qui n'a. Moi, Massaï, je crois quoi. Mais, Mbara, Mbara Soma ou bien Bassiti, un milliardaire, il y a Lolo, Ndila Bassiti ou là. Parce que, Nkalo Seagne, Fembe Aburo. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne crois pas à ces gens, à ces trucs-là. Mate Arode, même Fono Lanta la Fana. Kafwa Lunyane, Bassiti, Ndaketa, Ndaketa. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Moi, je suis un peu plus de temps. Moi, ce genre de futilité-là, je vous ai dit, je ne crois pas à ces trucs. Aujourd'hui, j'ai tellement j'ai eu des infos. C'est pourquoi je dis Dieu merci. Pour tous ceux qui m'ont suivi ici, je n'ai pas partagé l'affaire de mon Fassori. Et j'ai dit ce qui était dans mon cœur. Et effectivement, c'était ça. Depuis que mon Fassori a dit, non, je ne veux pas parler avec quelqu'un, c'est à Doumbouya. J'ai dit non, c'est fini. J'ai dit c'est des chercheurs de clients. Ah ouais, c'est ça. Mon Fassori, vraiment, il a eu gros morceau. Et Doumbouya a profité de ça aujourd'hui. Ils sont en train de taper sur des militaires. Il n'y a rien qui va se passer. Ça, je vous le dis. Hein. Si le peuple doit sortir, là, que le peuple sorte. Mais que si c'est pour venir s'asseoir, pour dire, mon Fassori a dit, nous c'est Dieu, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne croit qu'à Dieu. Mais le reste là, c'est du tape à l'œil. Sinon, si l'effet de mon Fassori là, ça avait dérangé le CNRD, ils avaient pris la famille de mon Fassori, ils n'allaient pas donner la parole à mon Fassori et les médias, personne n'a été menacé. Parce que l'affaire de mon Fassori, au début, ça secouait. Ils ont tout fait contacter mon Fassori. Ils sont rentrés en contact avec lui. Maintenant, ce sont des mis. Ce sont des mises en scène qui sont en train de faire aux Guinéens. Cessez, si vous voulez prier, priez le bon Dieu. Hein. Mamadi n'est qu'à partir. Les vrais soldats. Mais dire que cette histoire de mon Fassori, je vous ai dit, versez dans l'eau. Versez dans l'eau. Mon Fassori lui-même s'est contredit devant vous tous, non? Et là, comme mon Mako sera katéko là, et là, que t'as fait la molle, il y en a dit. Hein? Et là, que t'as fait la dit. Qu'on fait comme ça, Naïmako. Naïmakona, il faut me contacter directement, il ne faut pas un ministre, il ne faut pas tant. Et le coco sera comme ça, si ce n'est pas du mise en scène. C'est vrai, il faut qu'on vous dise, aujourd'hui, les militaires sont fatigués. Mon Fassori a profité de la situation pour dire, ah, il y a des gens qui veulent faire tant. Et les gens de Doumbouya vont l'écouter. Ils vont croire que c'est magique, c'est autre chose. Parce qu'ils sont dans, ils vivent tous dans la peur. Maintenant, c'est des soldats patriotes qui sont en train de payer les frais. Même quand on le faut. Tout ce que Doumbouya est en train de faire va se retourner contre lui. Parce que les Sadibas qu'il est en train d'humilier aujourd'hui, ils ont des petits dans l'armée, ils ont des collègues dans l'armée, ils ont des amis dans l'armée. Les gens ne vont pas se laisser faire. En quelque sorte. Wallah, tous ces trucs-là, c'est des futilités. Histoire, mon Fassori s'est rentré, tout ça, c'est des futilités. Histoire, Sadiba, tout ça, c'est des futilités. Les vrais hommes là, eux là, ils n'ont pas besoin de féticheurs ou bien quoi que ce soit. Voilà. Ça c'était, entre parenthèses, affaire de mon Fassori là. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir sa vidéo sur ma page. Si vous me voyez parler, c'est pour me moquer seulement de Doumbouya. Mais pour dire que moi je vais croire à ça. Nous on a reçu les vraies infos. Maintenant, ce qui se passe, l'argent est fini, je vous ai dit. Mamadi Doumbouya et son clan, c'est des bandits. Ils ont pris ce pays-là comme c'est leur entreprise privée. Aujourd'hui, l'entourage de Mamadi aujourd'hui, le port qui ne fait même plus de recettes, la douane qui ne fait plus de recettes, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est incroyable. Depuis le temps de l'Ansana Conté, de la manière que les gens faisaient, c'est-à-dire les membres du gouvernement, des conteneurs sortent aujourd'hui du port avec leur signature, pour dire c'est au nom des ambassades, c'est au nom de tel. Des milliards, l'État est en train de perdre des milliards. Parce que c'est le régime des Cambribas aujourd'hui. Plusieurs conteneurs aujourd'hui rentrent en Guinée. Plusieurs conteneurs rentrent en Guinée aujourd'hui. Les amis de Doumbouya aujourd'hui, on signe des documents, on dit voilà c'est pour l'ambassade, voilà c'est pour tel. Et la douane. Comment un pays peut se développer comme ça? Comment vous pouvez arriver, vous pouvez faire des recettes? Imaginez,
avant l'arrivée du président Alpha Condé, au temps de l'Assana Conté, ceci faisait, je crois, par an, 1 700 milliards. Mais quand le président Alpha Condé est venu, la douane pouvait faire plus de 1 000 milliards par mois. Parce qu'ils ont, c'est-à-dire, fermé tous les réseaux, tous les trous. Tous les trous. Ils ont fermé tous les trous. C'est pourquoi la douane faisait beaucoup d'argent. Et le CNRD maintenant, ils sont répartis dans l'ancien système. Chacun fait ce qu'il veut. Et la dernière fois, je vous ai montré Bachir. Si c'est le conteneur de Bachir, on sait comment s'arranger entre eux. Ce n'est pas dédouané. Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Pourtant, moi, je vous avais parlé ici. J'ai dit, ils ne feront pas de recettes, ces gens-là. Comment se fait qu'ils ont augmenté les taxes douanières, mais jusqu'à présent, la douane n'arrive pas à s'en sortir. Rien ne va. Parce que c'est le régime des Cambriba, chacun fait ce qu'il veut. Yeah. Chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont des 1 000 problèmes aujourd'hui, il n'y a pas de recettes. Les dépenses sont élevées par rapport aux recettes parce que chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de recettes. Tous les amis de Doumbouya aujourd'hui, allez-y à la douane. Les douaniers eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas faire de recettes à cause de ces bandits-là qui sont autour de Doumbouya. Ah tiens, bon, notre conteneur Nato, mon conteneur arrive. On signe, on met le nom, ça vient tant, tant, tant. C'est comme ça qu'ils sont en train de gérer le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire de recettes. C'est pourquoi tout est cher aujourd'hui en Guinée. Tout est serré, il n'y a même pas d'argent. Par la faute des bandits, et il ne faut que s'enrichir. Et même des commerçants, ils peuvent même prendre les conteneurs des commerçants. Si le commerçant doit payer 300 ou 500 millions, le monsieur préfère prendre 50 millions et la douane, le pays perd comme ça. Voici comment le CNRD, en quelque sorte, ce qui est un peu caché au niveau de la douane. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler. Les douaniers ne peuvent pas parler. Les gens ont peur. Yeah. Les gens ont peur de parler. Voilà. Donc, la famille, je vais m'arrêter ici. Kafoualignenefana, l'affaire de Mofasouri, ne croyez pas. Moi, je vous ai dit, croyez. Ce que vous devez mettre en tête, Doumbouya va tomber quand même. Mais cette histoire de Mofasouri là, écoutez très bien Mofasouri. Et moi, les infos que j'ai reçues là, et j'ai compris réellement, il y a du jeu. Et Mofasouri a échangé avec eux et il a cité le nom de certains. Il y a le deal même entre Mofasouri et ces gens-là. Voilà. Si vous voyez que on lui a donné la parole même, dans les médias, c'est pour encore nous faire rêver. Pour que les gens continuent à rêver. Le 28-18, Mamadi va tomber. Et eux, ils sont en train de faire leur boulot aujourd'hui. En train d'enlever les gens. Il a dit, Mokourouni, quelqu'un de court. Sadiba n'est pas tombé. Et le Doumbouya, déjà, c'est mettre dans l'esprit des gens que oui, il y a un coup d'État. Maintenant, eux aussi, leurs amis d'hier qui veulent... Ils veulent se débarrasser là. Ils sont en train de faire le boulot là. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis cette histoire de Mofasouri. Ce sont des mises en scène. Si Mofasouri était contre Doumbouya, et que Doumbouya devait être... Il n'allait même pas parler, il n'allait pas sortir. Mais il cherchait à rentrer en contact avec Doumbouya. C'est pourquoi il a fait le cinéma. Si Mofasouri était contre Doumbouya, il n'allait même pas parler l'affaire là. Mais comment... Souvent, le Guinéen, je me demande, quand est-ce que vous allez comprendre quoi? Tout ce cinéma de ces gens-là. C'est tellement facile, tellement facile. Si Mofasouri était contre, il pouvait faire quelque chose. Il allait le faire dans le silence, sans faire du bruit. Mais si vous voyez ça, là, il a voulu exposer certains, il a voulu faire du mal, il a voulu être dans l'esprit des Doumbouya. Et il est dans l'esprit des Doumbouya. Donc vous avez compris. Le 28 va se passer ici. Foïtena Bolaro. Ça, je vous le dis, je ne décourage pas quelqu'un. Vous me connaissez ma position contre le CNRD. Cette histoire, c'est du tape à l'œil. Ce qui reste clair, Doumbouya va tomber. Sarakato, la feu, kafoka, bento, sarakato, là. Mais mon facerie, là, date quoi.
Doumbouya même sait que c'est gâté pour lui aujourd'hui. A Bentaburu. A Bentaburu bi. A Bentaburu sini. Donc, merci à tout le monde. Merci à Zenabou Kaba. Merci à Francia Pizza. Merci à Fatmata Oulare. Voilà, Bintou Keita. Nous sommes découragés là pour dire, mettre en tête que Doumbouya tena benade. Doumbouya bentole. Na la foi tena sala. Mais allié Kambare Bayako monte menani boutou. Al ni mon fassuru la ko. Mon fassuri le coco sera gâté comme na. Ni mon fassuri très fait que Doumbouya ebe. Attentaque à mankaye. Nous n'a qu'à kaole fo. Ni mon fassuri très fait feu. Aka koye ko Doumbouya la ko sera gâté la. Mon fassuri tout tena na bola jamanya kroya kini si kafo. Kuna ko Mamadi Doumbouya. Al bra la molumina. Allié akalanyam ka kwate kelate. Qu'on a lui fait, quoi y a l'ouma demain, qu'on doumbouya y reconnaît à l'ouvrir. Et tiens, on peut encrire moi là le coup, hein? Que qu'on l'analyse. Tchal te encrire sur là. Moi, mik nani ka jamana la, wawa ka CNRD mol la remie. Ou moi, krein le, ou le timina bi médial là, al médial te menace, ada diana kalfo. Parce que ou le douma l'ouya, aye tant qu'on a toujours, comme moi, fasse rika comme fou. Mamadia ka kamolu makosa, sa dibalu, mon chama, alin kafo, l'autre, Abdoulaye Keïta, al peuple a tojoro. Moi, je suis parce que, à lui, il y a une drogue, Kolema. À lui, il y a une la Guinée, il y a une drogue, il y a une drogue. Parce que, à la population, il y a une drogue. Tout le monde est fâché aujourd'hui. Coup d'État, Aïda, les latins. Il y a une drogue qui est Djamal et Boto, Katé, la Falco. Donc, Mamadi lui a fait qu'à le tien, comme déjà, mon façon de blabla, ah, Mamadi le botoye, coup d'état, keto, à keto temps, à lui a kaka mok, profite ou le makamo lumina. Donc, bravo le fond, mon façon de la ko, anye hankri sera mago, anye hankri yere yere sera mago. Voilà. Donc, merci à tout le monde, à la demain, à la maman, kunta l'oubolan kunafeu. Voilà, Fatmata Oulare, merci à vous, Alphonse Soare, merci à vous. Ne kawo le fo ni mo fa sori tere Mamadi na tere fere ko Mamadi be wallahi tente manka ke ni se tere anye na se tere barera tere jama la bare le kala mais na ka ye abonné ki lo ko no ko mo fa ko il faut que lui parle avec Mamadi Mamadi Doumbouya c'est que de bore le tra ko no mi ni jama ta te kire c'est que de bore le tra ko no sino fala le ko sera kata lo sera kata ko mna ere no ti kuma todi. Donc, pardonnez ce cinéma-là. Allez au bois, Nyakoro Boutunka. Wallahi, allez au bois, Nyakoro. Hein? Arawasa Diane, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà. Souleymane Camara. Et on sait, Alka, me faut une autre. Quand il faut que vous coup d'état, il faut que vous fassiez un coup d'état. Vous avez fait un coup d'état. Vous avez fait un Alka kuma susu fo ha fakar sal la groupe le trefe ole ole braka be sadibal be bra problème so mo fasoro ko kuma krim donc ala ma tien de mena ala ma